Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Harmonie et je suis artiste peintre. Aujourd'hui, dans le Paint With Me de la semaine, je vous invite à découvrir ma peinture Heal. Dans cette vidéo, partons à la découverte de ma dernière création artistique, inspirée de mon environnement insulaire en Martinique. Cette peinture capture la solitude et la majesté des îles isolées. Rejoignez-moi pour une exploration de la symbolique et de l'émotion derrière cette œuvre captivante. Cette peinture est bien plus qu'une représentation visuelle, comme toutes mes peintures, vous allez me dire. Mais elle est une expression sur mon lien profond avec mon île natale, la Martinique. Au premier regard, vous êtes peut-être frappé par la majesté de l'île avec ses falaises abruptes et ses grands arbres qui semblent toucher le ciel. Mais regardez de plus près et vous remarquerez peut-être une sensation de solitude et d'isolement qui émane de cette toile. Pour moi, cette peinture évoque la dualité de l'existence insulaire. D'une part, il y a la beauté sauvage et la tranquillité de la nature, représentée par les grands arbres paisibles qui entourent l'île. Et d'autre part, il y a aussi une certaine sensation d'isolement, de séparation du monde extérieur, symbolisée par l'inaccessibilité de l'île depuis la côte. En tant qu'artiste vivant sur une île, il s'agit d'une réflexion personnelle sur ma propre expérience de la solitude et de la beauté de mon environnement. C'est un hommage à la fois à la splendeur et à la solitude qui caractérise la vie insulaire. En résumé, cette peinture est une exploration de solitude et de beauté de l'île. C'est une invitation à contempler la majesté de la nature et à réfléchir sur notre propre relation avec notre environnement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager vos pensées en commentaire. Mettez un petit cœur noir si cette peinture vous a plu. Vous pouvez également retrouver d'autres de mes œuvres sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux. Merci infiniment de votre soutien et de votre présence sur ma chaîne. À la semaine prochaine. Bye bye!